Bonjour à toutes et à tous, dans cette vidéo, on va déterminer ce qu'est un ordre de grandeur de toutes ces quantités. Alors, comment faire? Eh bien, dans un premier temps, vous devez calculer l'ordre de grandeur d'une somme, ici, à nouveau d'une somme, mais ici, ordre de grandeur d'un produit et ordre de grandeur d'une différence. Alors, comment calculer un ordre de grandeur de cette somme? Eh bien, c'est très simple. On va prendre un nombre très proche de 598. Un nombre très proche de 598, c'est 600. Un nombre très proche de 395, c'est 400. Donc ici, un ordre de grandeur, ce sera 600 plus 400, qui est à peu près égal à 1000, tout simplement. Et donc, on utilise ce symbole-là. Ici, on va faire la même chose, 68 plus 398 plus 495. À vous de réfléchir, vous pouvez mettre pause sur la vidéo si vous voulez chercher, mais un ordre de grandeur de 68, c'est 70. Un ordre de grandeur de 398, c'est 400. Un ordre de grandeur de 495, c'est 500. Et bien, de tête, vous allez devoir calculer 500 plus 400, ça fait 900, plus 70, ça fait 970. À nouveau ici, 0,0295 multiplié par 5,987. Eh bien, 0,0295, c'est très proche de 0,0300. Multiplié par 5,987, c'est très proche de 6. Et maintenant, comment allons-nous faire ce calcul? Eh bien, soit vous le posez le calcul, donc 0,0300 ou 0,03, c'est la même chose, fois 6. Et je fais mon calcul. 6 fois 3, 18. Je pose 8 et je retiens 1. 6 fois 0, 0 et je remets le 1. Et je décale la virgule de 1 rang vers la gauche, donc 1,8. Donc vous pouvez écrire à peu près égal à 1,8. Maintenant, on va faire la même chose. 1708 moins 198. 1708, c'est très proche de 1700. Vous pouvez prendre un nombre qui est plus petit et très proche de 1708. Vous pouvez prendre des nombres plus grands ou plus petits. 198, je vais prendre un nombre qui est plus grand que 198. Ici, je vais prendre 200 parce qu'il est plus facile à manipuler. 1700 moins 200, ça fait 1500. Petite question. Est-ce que ça, on aurait pu le calculer de tête? Eh bien oui, 0,3 multiplié par 6, c'est très simple. Je calcule 6 fois 3, ça fait 18. Et je décale la virgule d'un rang vers la gauche. Voilà tout. Je vous remercie et à bientôt.